Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brother avec le nouvel espoir dans The Blazing Desert. On retrouve notre équipe du coup et on accueille un nouveau personnage, Akatsuki Nemesis l'Ancien, qui souhaitait avoir la possibilité de mourir vite pour revenir en tant que ma Nemesis. Donc du coup, même si on a un pauvre level 1 tout pourri qui vient de nous rejoindre, bah je lui ai donné le personnage. On va voir un peu s'il est aussi bon qu'il le prétend, hein, tout simplement. Pour le reste, rien de nouveau, on était toujours plus ou moins en train de tenter de guérir. On s'était refait quand même la dernière fois, ça faisait plaisir. Il faut qu'on recrute quelqu'un pour notre camp. J'aimerais bien viser soit la cook, soit la cuisinière, soit le chirurgien, qui permet que n'importe quelle personne qui n'a pas déjà une blessure permanente survivra à un coup fatal. Je pense par contre qu'il se retrouve avec une blessure permanente, mais c'est pas sûr. Et en plus, toutes les blessures prennent un jour de moins à soigner, ce qui est quand même pas mal. Il est accessible, je pense, hein. Il faut juste traiter un mec de plus dans un temple. Le cook, par contre, c'est compliqué, hein. 3 sur 8... même si on essaie de le rusher en achetant un peu, ça c'est pas de la nourriture, nous on a du riz, du fromage, du pain ici, si on achète de la viande, et des dattes, ça fait que 2 de plus, hein. Sachant qu'en plus ça va quasiment disparaître déjà, il n'y en a plus. Ça peut être un petit peu compliqué. Clairement, donc bon, on va essayer de voir peut-être quand on montera dans le nord, prendre un peu de réserve de nourriture, mais pour l'instant c'est un peu tendu. Ici on a à peu près ce qu'il faut comme outil, à 256 c'est pas fou. Ce serait pas mal de reprendre un peu de bandage, mais ça reste cher. Là l'arc composite il me donne envie, hein, mais bon. Pour l'instant on va essayer d'économiser pour des moments plus difficiles si j'avais tout soigné. On n'avait plus rien à faire dans cette ville malheureusement. Du coup bah on va devoir se tirer, on va essayer de passer par là et après je pense qu'on tentera d'aller voir ce qu'il y a au bout de cette route. On va voir si on s'en sort comme ça. Que clairement pour l'instant on est un petit peu trop dans le mal pour se permettre d'aller explorer à droite à gauche, hein. Faudrait au moins qu'on arrive à soigner Hakim là, faut qu'il récupère de ses blessures parce que ça va être compliqué sinon. Ici on va en utiliser entre 3 et 5. Allez, on y va en espérant que eux nous pop pas des saloperies sur la tronche. Bon, ils sont vraiment pas gérables dans notre état. Il faudrait qu'on soit plus proche de 25 je pense, pour que ça soit jouable. Je vais essayer de garder un peu en vie quelques mecs parce que ils arrivent pas à réparer ici, hein, leur truc là. C'est chiant parce que je pense que tant qu'ils répareront pas ça, on continuera d'avoir des prix élevés. Après ils nous aiment bien, donc avec un peu de bol. On va pouvoir avoir un contrat intéressant. Alors on en a un qu'on avait déjà négocié. Je sais plus c'était quoi. L'arène, on pourrait retourner faire un tour dans l'arène aussi, hein. Je crois que nos combattants préférés sont un peu dans le mal. Ah oui, c'est vrai, c'était aller gérer un camp d'embûches, mais vu que c'était deux crânes, ça sentait l'arnaque. On va regarder l'autre contrat à deux crânes. Alors, ok, c'était c'est le coup des bêtes. 110 couronnes d'avance et 430 quand le boulot est fait. On va y réfléchir un peu. Est-ce qu'éventuellement on pourrait pas recruter un ou deux péons supplémentaires? Ah, ici il y a un endetté qu'on pourrait recruter. Ou un manhunter, mais il nous faut plus d'endettés, hein, clairement. On va se permettre un petit try-out, qu'est-ce qu'il a de beau. Bon, il récupère un peu plus de fatigue, par contre il a moins 5 de résolution. Après, de toute façon, hein, les endettés c'est globalement des merdes. C'est déjà pas mal qu'il ait un truc positif, on va le prendre. Ça coûte un peu cher, mais il faut ce qu'il faut. En termes d'achat, bah, entre l'effort de rebuild et les routes embûches, clairement, on va pas s'en tirer.
Niveau nourriture, c'est la dèche, non? Il nous reste 2 jours de nourriture. Putain, c'est hyper cher, quoi. Pff, oh là là, 400 les bandages. Bon, c'est mort. Le temple, on n'a rien de nouveau. Alors, on va regarder un peu. Qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie, ce monsieur? Il est assez bon en mêlée. Ça pourrait être intéressant de lui filer une lance avec sa récupération de fatigue. Vu que le mur de pique est quand même assez, assez énervé. On a une bonne ligne, on a de l'équipement, on va lui filer un bouclier comme ça. On va lui donner la lance, je pense, de Xebus. Il a combien? 56 quand même de base. On va lui filer la lance de Xebus. On va le mettre sur le côté. Il va lui falloir une armure un peu mieux, donc on va prendre ça et lui donner du coup. J'ai dit qu'on lui file la lance de Xebus, s'il vous plaît. Merci. Xebus, on va lui filer le Saïf du coup. J'ai envie de dire. Toi, tu vas pas rester à poil, hein. On va te filer, voilà, ce truc-là. Bon, en même temps, c'est vrai que c'était vent aussi. Hein. On a ça, on le garde pour nous. Ça, c'est du vin. Donc, oui, de toute façon, on a pas mieux de vin. On n'a pas mieux que vin pour l'équiper, malheureusement. Lui, il a 2 blessures permanentes, mais il commence à avoir le moral qui remonte un peu. Bah il est tiny mais bon bah pas de choix hein. on peut plus le transformer en ranged, de toute façon c'est terminé. Ça va bientôt se soigner, bon ok, ça lui fait pas de malus mais il a pas remonté toute sa vie encore. L'ami Hakim, déjà il a récupéré son malus de vie, c'est toujours ça de prix, par contre il veut pas combattre, hein. Enfin il va rien faire au combat. Si on voulait par exemple. Donc notre équipe de combattants dans l'arène, c'était celle-là à la base. Hein. Donc là, Xebus va falloir qu'on laisse derrière. On pourra emmener Malvin à la place éventuellement. Bon, il a moins 10 de résolution, forcément ça pique un peu. Mais Ginji est quand même plutôt correct au combat. À part sa vie, il est presque plus efficace notre nouveau mec. Hein. On pourrait aussi prendre un tireur, mais si on est que 3, c'est pas forcément utile. Alors, je vais en mettre pause que le temps arrête de passer. On va sauvegarder un coup, on va regarder ce que nous propose l'arène. Alors. Donc, c'est des bandits du désert retirés. Donc, ils ont été capturés, ils sont 2. Et on a 3 personnes pour combattre. On va tenter 2 nomades. 2 nomades, on peut peut-être gérer 2 nomades. Hein. Du coup, il est que tu vas. On va te redonner un bouclier par contre. Alors que tu y ailles. Voilà. Toi, on va t'en redonner un d'Amned aussi avant d'oublier. On a Ginji qui est plutôt bien équipé. Et après. Est-ce qu'on prend un tireur pour compenser? Il nous faudra un lancier plutôt. Faudrait Malvin, hein, il est quand même plutôt, plutôt compétent. Il a un peu de vie, il est pas trop mal équipé. On va prendre Malvin. Allez, c'est parti. Avec 3 personnes, c'est compliqué de gérer, enfin de prendre un tireur en plus, quoi. Alors on a... Ah putain, c'est des outlaws en plus, ils sont hyper badass, très très bien. Bah là on va fouetter lui. Hop, voilà, pour commencer. Et on va attendre. On va laisser s'approcher. Ils vont plutôt par là, ok. Donc toi du coup, tu vas attendre. Ici on va resserrer les rangs. On va lever les boucliers. Toi tu vas aller derrière. Ok, ça rate, parfait. Ici, 54% de chance de toucher, on y va. On y va. Ici on refait notre petit mur, on attend de voir s'il s'approche. Le mur qui rate, parfait, il nous jette un peu de poussière. Nickel, alors ils sont complètement dispersés. On va fouetter lui. Est-ce qu'on peut tenter
De désarmer, 30% de chance, c'est raté. Aïe. Ici, 26% de chance seulement de toucher. C'est la violence. On va relever le bouclier également. Vu qu'il a relevé son bouclier, ça va être compliqué. On peut essayer de le repousser. Raté. Ici, on lève le bouclier. Et on s'arrête. Ah d'accord. Ok, très bien. Mallevin, je ne te félicite pas. Il n'y a pas d'autre mot. Ici, on va mettre un petit coup de fouet. Ah, et puis alors, on n'a aucune chance du coup de le shooter. Allez, 64% de chance. Oh, on a réussi à taper un peu, mais ouais. Ok, il nous a brisé notre bouclier. Nickel, on est bien. 30% de chance de désarmer, on se rate. Et là, on se rate. Parfait. On va essayer de finir celui-là. Raté. Raté. Oui, ça pique. Attends, on est déjà fatigué avec Iliek. Là, c'est pareil, on a de quoi mettre un coup de lance et on se rate. On est mort. Parfait. Ça pue du cul. Ok, là, il nous met directement une grosse tatane. Donc ouais, même à 3 contre 2, on peut pas gérer des outlaws, quoi. C'est pas possible. Et on est tous morts en plus, hein, même pas... Très très bien, bon bah du coup non. disaster. Ah oui bah ouais, je suis bien d'accord, un disaster. On a perdu nos 3 mecs. Donc bah du coup on va sauvegarder, hein. Load, je me gourre pas. Bon, bah les outlaws c'est vraiment pas possible. Maintenant on le sait. Du coup, on va se tenter des bestioles plutôt. Il y a peut-être quand même moyen qu'on se fasse des bestioles. Alors, les traces de pas, elles sont où? On les voit pas. Parfait. Bougeons un peu. On va essayer de prendre un peu de hauteur. Sur cette petite colline, par exemple. Non, visiblement non. On va essayer de voir hein, si on peut. Si à 10 on peut essayer de gérer quelques bestioles. Il fait nuit en plus. On va camper, je pense, plutôt là. En attendant le jour. Au moins on va se guérir pendant ce temps-là. Ok, 5 serpents, ils sont en train de nous charger. Alarme! Qui c'est qui est pas guéri? Putain les gars, faut s'abuser quoi. On se replie. On se replie, on se replie. 5 serpents. Ils sont spécialisés pour casser notre ligne en plus. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite milice là qui voudrait sortir? Ah bien tiens, elles étaient là les traces. Si on se rapproche par là par exemple. Non. Soignez-vous les gars. Merde, ils nous ont chopé. On est en hauteur. On va bouger pour essayer de laisser plutôt... Non d'ailleurs on va plutôt aller par là. Ici on attend un peu de voir si quelqu'un avance. Parfait. Toi tu vas monter. Tu vas attendre. 16% de chance seulement de toucher la vache quoi. Sachant qu'ils vont nous attirer hein, très probablement. Allez un petit coup de fouet. Un petit coup de fouet. On va éviter les murs de pique qui vont nous fatiguer alors qu'on n'est pas fait pour. On va fouetter un peu la foule. Hop toi. Hop toi. Ici, shield wall. Et on passe le tour. Shield wall. On va faire front. Oh là là, 5% de chance, il doit avoir un bonus pour pas être touché, c'est pas possible. 16, 12, 12, 12, même avec notre hauteur, hein. Putain. On va rater du coup. Mur. Et mur. Voilà. Toi tu vas venir ici,
tu vas attendre de voir un peu ce qui se passe. Ils avancent juste d'une case. Lui, il monte, il va peut-être essayer de nous attirer, un truc du genre. Là, j'ai bien envie d'avancer ici et de leur caler un ignite dans la tronche. Voilà, au moins on a défoncé leurs armures, toujours ça de prix. Du coup, faut qu'on avance, hein, pas le choix. Hop, on tape. On attend. Ici, si je viens ici, je vais pouvoir caler un ignite comme ça aussi. On y va. 18% de chance de toucher, tellement dans le mal lui. Alors, qu'est-ce qu'on a avec toi, Gash? Fait des dommages à l'armure, plus 10% de chance, des chances de faire des dommages. 20 de fatigue ça coûte quand même. Hein. Ok, parfait, on a réussi à lui faire une blessure, c'est cool. Ici, est-ce qu'on avance? Non, on va se contenter de faire un petit pas par là, voir, je pense que lui va être obligé de descendre s'il veut nous choper. Mur de pique. Ouais, on va faire un mur de pique pour éviter que lui prenne 3 mecs dans la tronche. Ici, du coup, faut qu'on s'avance d'une case, nous aussi. Ça sert à rien de fouetter des gens, seulement 18% de chance. Bon, bah, si, ça sert qu'on part. Non, faut que tu tires. Hein. Oh, bien joué! Bien joué, bien joué. Alors ici on peut fouetter lui, c'est pas hyper utile. Ah si, ça fera quand même un peu de chance de toucher. Et tenter un petit coup de fouet là. Toi t'avances d'une case, et puis un petit caillou. Ok, raté. Ici on va avancer là pour couvrir les flancs de copains là, parce que... Allez, 55% de chance, ça rate. Parfait. Je lui ai pas remis de bouclier du coup à Iliek. C'est une très grave erreur, ça. Ça peut être le drame. Hein. Ginji, pourquoi il peut rien faire? Ah, parce que oui, j'ai déjà joué, pardon. C'est pas le nouveau tour, excusez-moi. Ah, il va falloir qu'on se replie avec Iliek, mais genre vite par contre. Ah, sauf qu'ils rejouent tous. Ouah, putain. Oh la vache. Ah d'accord, c'est comme ça qu'on la joue du coup. On a quand même 41% de chance, c'est pas si mal. Faut réussir à en tuer là. Bon, lui va crever du saignement. Faut réussir des trucs là. Oh, mais faut toucher les gens! Toucher! Allez! Ici, on va derrière. Là, on a même pas de quoi lever le bouclier. C'est chaud. C'est des sacrés sacs de PV, c'est con, hein. Toi, bah tu peux fouetter les gens. Il est quasiment mort déjà, lui. Ouais, il est quasiment mort, putain. Du coup, tu peux fouetter lui. Puis genre, prendre une lance. Aïe. Oh là là, mais faut toucher, quoi. Ok. Allez, faut tuer lui. Ok, parfait. Ici, il faut venir en renfort. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Lui va crever du saignement. 11% de chance de toucher, quoi. Ah, je peux même pas bouger à cause de ce con en plus. On va attendre qu'il crève. Quoi? Il a attaqué avant de saigner? C'est une blague? C'est une blague! Putain!
Oh là là! Xebus Maya qui est en panique du coup. Ah oh, putain, et puis en plus ils jouent tous, ils sont full moral. Oh putain, je me souvenais pas qu'ils saignaient à la fin du tour quoi. Là pour le coup, ils me prennent par surprise quoi. 53% de chance, ça fait une chance sur deux, hein, mais on rate nos deux coups parce que sinon c'est pas drôle. J'aurais plus vite fait le fouetter en fait. Hein. Leur réinitialiser leur morale un peu. Même plus bouger. Lui aussi il panique, putain, il a réussi à ne pas prendre deux coups, c'est bien joué. Lève ton bouclier mon cher. Ok, donc enfin même cette quête là on n'arrive pas. Et j'ai l'impression qu'en fait à chaque attaque ils font un coup spécial quoi. Enfin ils font une blessure. 64% de chance on rate. On touche. Faut réussir à les tuer là. Faut vraiment faire quelque chose. Allez, 70% de chance. T'as pas réussi à le tuer. Bien ouais. ...76% de chance, on rate deux fois. C'est propre, faut pas dire le contraire. Ok, on arrive à lui mettre un peu de saignement et on est épuisé. Ici. On se rate. Je peux pas, non, je peux pas bouger. Je vais essayer de bouger en hauteur, mais non, je peux pas. 69 deux fois, on rate. Parfait. Oui, je crois que c'est fini, ils sont totalement en panique. Aïe. Oh mais ah, c'est ouf quoi. Ah quand même. Impressionnant. T'as réussi à mettre un coup de lance au bout de 4 coups à 80, dis donc. C'est la folie. Fouette toi. Voilà. Ah bah ouais, tu parles le temps qu'ils reviennent. C'est mort. Et voir un autre mort, il va repaniquer, voilà. Ah bah dis donc, quand c'est collé à toi, t'arrives un peu mieux on dirait. On a plus que 50% de chance ici. Nickel, on va fouetter un coup. Je sens que cet épisode va être sous le signe du drame. Bon, je sais que vous aimez ça, hein, le signe du drame, mais ça pique un peu quand même. Hein. Oh, t'as deux casses quoi. Oh putain. Il est épuisé. Ici. Est-ce qu'on pourrait éventuellement tuer celui-là? Non, c'est pas possible apparemment. Ok, parfait. On est bien. On est bien, on est bien. Donc lui, il va peut-être mourir du saignement, mais genre pas tout de suite. Bah toi, ouais, tente un coup, hein. N'empêche, hein, on dira ce qu'on voudra, mais c'est Aketsuki qui tient hein, jusqu'au bout, hein, il a pas fui, il a fait ce qu'il a pu, c'était propre. Ici on continue de mettre des coups de fouet parce que pourquoi pas. Il se prépare à nous attirer, voilà. Ah, oh, puis en plus ça nous fait un malus de morale, on dirait, quand ils font ça. Hein. C'est ouf. Allez, rapprochons-nous. Absolument pas mourir instantanément. Tout va bien. Là, il a essayé de s'enfuir, il s'est fait défoncer. Normal. 37% de chance de toucher seulement quoi. Oh là là. C'est qui ça, Mal Levin là? Mal Levin, tu branles quoi? Il faudrait se réveiller à un moment. Bon bah, c'est fini. On va regarder Mal Levin courir pour sa vie. Un épisode de qualité. Oh! Il se reprend. Bah écoute, tu vas rester là, ils vont venir de toute façon. Donc,
Repose-toi tant qu'à faire, j'ai envie de dire. Et pourquoi ils meurent pas du saignement? Pas censés, ils sont pas censés saigner à mort avec leur truc percé là? Non mais par contre à 62% faut pas rater quoi, enfin t'es quasiment mort déjà, t'es tout seul. À quel moment tu te permets de rater un coup pareil quoi? Oh là là! Bah Mallevin aurait pu faire un coup d'éclat, mais bah non, il a préféré mourir. Et c'est la défaite! Très très bien, bon! C'est vraiment des burnes, vous êtes des burnes les gars, je tiens à le dire. Bon, ok, je suis peut-être pas mauvais, j'ai de la poisse, mais là franchement, c'était naze. Y'a pas d'autre mot, y'a pas d'autre mot. Bon, bah du coup, c'est un peu la merde, faut qu'on se soigne en fait avant de prendre cette quête. Hein. Si on avait été en état, parce que là clairement, Hakim avec sa lance ne servait à rien, il pouvait juste pas toucher. Et Exebus avec ses malus là, pareil là, il pouvait plus mettre un coup et puis après c'était fini quoi. Donc bon, faut qu'on se repose, faut qu'on se soigne. Et puis bon, on réessayera. Hein. Du coup on va arrêter cet épisode là. C'était pas hyper intéressant, je suis désolé, mais bon bah ça vous apprendra à pas être efficace, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu quand même. Moi, même si c'est difficile, j'aime toujours autant ce jeu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.